Eh bien, bonsoir à ceux qui sont déplacés, bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct depuis le site du Temple Neuf. Bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes donc au Temple Neuf de Strasbourg. C'est une rencontre organisée par la médiathèque protestante du Stift. Et nous allons parler ce soir d'une Bible des hommes, un ouvrage qui remet en cause un certain nombre de poncifs et d'idées reçues que nous avons sur la masculinité dans la Bible. Joseph, père de Jésus, un contre-modèle de virilité. Quelques paternités bibliques problématiques. La vulnérabilité de Job. Jésus-Christ, modèle pour le mari. Paul, quel genre d'homme? Voici en vrac quelques-uns des titres des chapitres de cet ouvrage collectif qui a été dirigé par Denis Fricker et Elisabeth Parmentier, et dans lequel des binômes hommes-femmes protestants-catholiques osent une relecture des passages bibliques qui parlent de la masculinité et qui sont un peu controversés. Ces dialogues lèvent le voile sur les fragilités masculines et ça fait du bien. À mes côtés, pour parler de ce livre, Joanne Charasancho. Bonjour Joanne. Joanne, vous êtes docteur en théologie, chercheuse associée à l'Université de Strasbourg et à l'Institut Léman de théologie pratique. Féministe et inclusive, Joanne, vous travaillez dans le domaine de la formation des leaders protestants en Afrique. Vous êtes de tous les combats pour une société qui donne une juste place aux femmes comme aux hommes. Je ne suis donc pas étonnée de vous voir associée à l'écriture de cet ouvrage. Bienvenue à vous. Merci. Merci Patricia. Une petite correction, je ne suis plus chercheuse associée à Strasbourg. Ah, dommage pour Strasbourg. Voilà, Denis Fricker, bonjour. Vous êtes professeur en sciences bibliques du Nouveau Testament, j'espère que je ne vais pas me tromper. Doyen de la faculté de théologie catholique de l'Université de Strasbourg. Là aussi, Jusque-là, c'est juste. une petite correction, c'est depuis le 1er septembre, je ne suis plus doyen et donc Mais alors là, vous auriez pu mon me mandat prévenir est quand même. terminé, mais je D'accord. continue effectivement à enseigner dans la faculté. D'accord. Vous êtes un spécialiste de l'exégèse critique des évangiles synoptiques et de l'épître de Jacques, de la recherche historique sur la figure de Jésus, avec une attention particulière aux données socio-historiques et anthropologiques. Et votre sujet de doctorat s'intitulait déjà en 2002 Le masculin féminin et le parallélisme dans les sentences de Jésus. Donc vous êtes sensible à ces questions depuis des années. Alors pour introduire le propos, une première question sur l'ouvrage précédent que je n'ai pas amené, mais qui s'appelait, dont la couverture ressemble quand même un peu à ça, mais qui s'appelait Une Bible des femmes. Une Bible des femmes, donc Une Bible des hommes fait suite à l'aventure éditoriale d'Une Bible des femmes. Vous avez été tous les deux rédacteurs de ces deux ouvrages. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le propos d'Une Bible des femmes? Oui, je Denis. crois que je vais peut-être laisser quand même la parole à Joanne, puisque c'était un ouvrage où il n'y a que des femmes qui ont travaillé. Et donc, Bible des femmes, hein, c'était Elisabeth Parmentier qui avait dirigé aussi le recueil. Et donc, je te laisse peut-être la parole. Hein. Merci Denis. Alors plus précisément, c'est une collective, effectivement, une collective de femmes, de théologiennes, pasteurs, laïcs, de différents âges, de différentes cultures. C'est vrai qu'on était 21 et c'était assez impressionnant de voir combien on venait de différents milieux ecclésiaux, combien on incarnait différemment nos féminismes et comment est-ce qu'on tricotait ça avec, bien entendu, notre vie de foi et notre vie personnelle, familiale, conjugale. L'idée, en fait, de ce premier ouvrage, Une Bible des femmes, c'était de reprendre l'initiative de la Women's Bible d'Elisabeth Cady Stanton, qui a été l'une des premières suffragettes, une femme croyante, engagée, qui, il y a maintenant plus de 140 ans, était dans ce milieu, voilà, des suffragettes. Et en l'occurrence, la légende ou l'histoire dit qu'un jour, elle était réunie avec ses copines pour réfléchir et pour essayer d'avancer sur la question du suffrage des femmes. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, elle n'avait jamais lu de commentaires bibliques rédigés par des femmes. Et d'ailleurs, elle n'avait jamais entendu une femme prêcher non plus. Donc, elle en a parlé avec ses copines de lutte et elle leur a découpé, donc ça c'est drôle, c'est pour ça qu'on dit une Bible des femmes, elle a découpé des morceaux de la Bible qui parlent des femmes.
elles se les sont réparties et elles ont sorti la Woman's Bible. Mais la Woman's Bible, voilà, il se trouve que elle est un peu datée. Sur le moment, ça a été un très grand succès. Il y a eu plus de 5 rééditions. Elle date de quand, cette... Donc, on est à la fin du 19e siècle. Elle a eu un tel succès qu'à un moment donné, ça a posé des problèmes. Et il se trouve que la pauvre Elisabeth s'est trouvée éjectée du comité des suffragettes. Probablement, on pense, la légende dit que c'est parce que ces messieurs n'ont pas apprécié que sa Woman's Bible ait tellement de succès. Mais en l'occurrence, l'idée, à un moment donné, un petit peu, c'était de traduire cet ouvrage qui est en anglais, qui n'est pas nécessairement accessible. Mais quand on le parcourt, on voit qu'il appartient vraiment à son temps. Il y a une forme, par exemple, d'antisémitisme latent qui est vraiment gênant. Il faudrait beaucoup l'expliciter. Et donc, l'éditeur de Labor et Fides, Mathieu Mégevan, a proposé de recréer une collective. Et c'est à ce moment-là que autour d'Elisabeth Parmentier et de Pierrette Davio et aussi de Lauriane Savoie, on a recréé cette collective et on a repris en fait cet élan-là qui est de prendre des histoires de femmes dans la Bible et à l'aide de duos, d'en tirer à chaque fois des nouvelles lectures avec de nouveaux regards. Et puis le fait qu'il y ait des femmes du monde entier, de différentes églises, ça a aidé aussi à faire des pas de côté. Donc ça c'était la première initiative. On a eu beaucoup de succès, on a gagné 2 prix quand même. Donc ça c'était un peu la surprise. C'est vrai que Gallimard, qui est donc le distributeur de Labor et Fides, avait dit ouais, écoutez, si j'arrive à en écouler 500 ou 600, on peut être content. Puis en fait, il en a écoulé 10 fois plus. Donc voilà. Mais à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui venaient dans les présentations, dans les conférences, et qui disaient une Bible des femmes où il n'y a que des femmes, c'est embêtant, il n'y a pas d'hommes. Et on arrive maintenant à une Bible des hommes. Voilà. Donc, Elisabeth Parmentier n'est pas là pour en parler, mais c'est elle qui a quand même repris ce projet avec vous, Denis Fricker, cette fois-ci. Donc, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous vous êtes lancé dans ce travail, qui est quand même assez colossal. Oui, donc Elisabeth Parmentier, que ça fait un bon moment que je la connais, que j'ai eu l'occasion de collaborer avec elle, m'a appelé un jour en me disant « Tu connais bien sûr notre livre sur la Bible des femmes, eh bien, qu'est-ce que tu penses d'une Bible des hommes ?» En me demandant si je pensais que l'idée était intéressante, et j'ai immédiatement répondu par la positive. Elle était même surprise. Parce que, ayant travaillé un peu sur ces questions du masculin-féminin dans la Bible et m'étant à l'époque rendu compte que il faut apprendre à mettre ses lunettes qui repèrent la domination masculine d'un côté dans les écrits et d'un autre côté qui essaye aussi de mettre en valeur le peu que les écrits montrent sur les femmes, hein, puisque la Bible a été écrite effectivement essentiellement par des hommes, dans une période où la domination masculine était une évidence, hein, dans une société antique, et donc pas écrite par des hommes, et généralement pour des hommes. Donc il y a la perspective féminine est assez absente, hein, de ces textes, même si, de manière transversale, on peut découvrir un certain nombre d'éléments. Et en même temps, toutes ces questions maintenant qui sont bien acceptées dans l'exégèse, hein, et qui sont bien reçues, on est tous d'accord sur ces questions. En même temps, quand on va plus loin, ben, ces questions interrogent aussi les hommes d'aujourd'hui. Ok, on est d'accord avec ces aspects-là, mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est-à-dire qu'il y a un peu cette... Je crois beaucoup en l'aller-retour, ou disons dans la confrontation entre hommes et femmes, entre le monde masculin et le féminin, l'un éclairant l'autre, et l'identité de chacun dépendant aussi de celle de l'autre. Et donc, naturellement, je trouvais tout à fait intéressant de se poser aussi cette question, d'autant plus qu'il commence à y avoir des études exégétiques aussi sur cet aspect-là. S'il y a un début, hein, de recherche vraiment très pointu dans l'exégèse du Nouveau Testament sur ces questions. Merci. Alors, vous êtes tous les deux des grands lecteurs de la Bible depuis des années, enfin des grands chercheurs, des exégètes. Qu'est-ce que vous avez appris personnellement en travaillant sur le sujet de la masculinité, Joanne, vous qui êtes une femme?
Merci Patricia pour la question. Déjà, c'est vrai que Denis est un exégète. Moi, je suis plutôt une praticienne. Et le rapport qu'on a à la Bible, plutôt en théologie pratique, c'est toujours d'essayer de voir ce que la Bible dit de son temps et de son contexte et quel décalage elle propose par rapport au temps et au contexte pour l'édification de l'Église. C'est plutôt comme ça qu'on approche la Bible. Et donc là, c'est vrai que ce genre de projet me permet de travailler avec des personnes qui sont plus finement dans l'exégèse et de revenir aux subtilités des interstices du texte. Et c'est pour ça que, perso, moi, j'ai choisi Joseph et j'ai choisi de faire un trio avec un exégète, donc Yvan Bourquin, qui est néo-testamentaire, avec qui j'ai déjà beaucoup collaboré, mais aussi avec Jocelyn Tricou, parce que lui, il est sociologue et spécialisé sur le genre catholique. Ça, j'ai beaucoup aimé en fait, le fait qu'on croise nos regards et le fait de découvrir un Joseph dont on ne parle pas dans la tradition protestante. Ça m'a beaucoup plu. Donc je ne vais pas vous donner trop de détails là maintenant pour que vous ayez lire l'article, mais aussi le processus d'écriture même d'une Bible des hommes reprend le processus d'écriture d'une Bible des femmes, c'est-à-dire qu'on a tout mis en commun dans une Dropbox et qu'on s'est relis mutuellement. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas évident parce que moi, je sais, par exemple, sur le texte de Denis et Elisabeth, je n'ai pas été commode, j'ai fait un choix personnel de lire toujours tard le soir quand j'étais fatiguée. Et dès que ça butait dans ma lecture, je leur signalais. Je leur disais, je suis fatiguée, j'arrive plus à vous lire parce que vous alignez des choses que vous maîtrisez mais que ceux qui sont non exégètes ne maîtrisent pas. Donc voilà, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est ça, c'est cette collaboration, le fait de revenir à l'exégèse, mais aussi de redécouvrir des aspects des différents hommes de la Bible par les interstices que permettent une étude collaborative et collective de la Bible. Merci Johan. Et vous, Denis, alors, qu'avez-vous appris ? Oui, je confirme tout à fait cette manière de travailler, qui est de mettre tous les textes ensemble sur une Dropbox, en général dans des collectifs universitaires. Chacun reste dans son précaré, travaille son texte, et au moment d'un colloque, effectivement, il y a confrontation. Mais là, il y avait même partage des textes, c'était vraiment un travail commun, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et puis avec des disciplines différentes, et à chaque fois, donc, il y avait un tandem homme-femme et catholique-protestant sur chaque texte, plus un trio, dans votre cas. Et donc, ça crée une émulation, une richesse et une exigence aussi. Combien de fois, avec Elisabeth Parmentier, on a fait des navettes entre le texte, et puis finalement, on a tout remis dans un autre sens. Et c'était très intéressant, très vivant. Et ensuite, on avait ce retour, comme tu me disais, je me rappelle bien de tes remarques, Joanne, qui m'ont fait beaucoup de bien, parce qu'il faut aussi penser au lecteur qui ne connaît pas forcément toutes les ruses techniques et toute la méthodologie de l'exégèse. Oui, il faut préciser que c'est à la fois un livre de spécialistes qui rentre dans les détails, mais qui est écrit pour le grand public, c'est-à-dire que chacun peut s'en emparer. Et puis, comme ce sont des chapitres qui sont indépendants les uns des autres, on peut en lire un ou la moitié d'un et reprendre le lendemain. Enfin, c'est pas un gros pavé qu'on doit lire de bout en bout. Donc, j'encourage ceux qui nous écoutent à le feuilleter et à s'y plonger parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Alors, Denis, on va parler du sujet que vous avez étudié avec Elisabeth Parmentier. Donc, vous avez travaillé sur la thématique du ministre de Dieu. Homme de bonne moralité et de foi sans faille. Alors moi, ça m'a spécialement intéressée parce que j'ai grandi dans un milieu d'église où il était courant de dire et même de penser que le pasteur ou l'ancien de la communauté devait être irréprochable, que ses enfants devaient être bien élevés, un exemple pour tous. Donc on imagine le poids porté par des générations d'enfants de pasteurs et de personnes engagées dans l'église. Alors je vais citer le passage biblique de cette première lettre de Paul à Timothée que vous avez étudié. Et ensuite, je vais vous demander comment vous l'avez compris. Donc, je lis dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3. « Elle est digne de confiance, cette parole. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'il désire. Aussi faut-il que l'épiscope, donc l'évêque, le pasteur, le prêtre, soit irréprochable, mari d'une seule femme,
sobre, pondéré, de bonne tenue, hospitalier, capable d'enseigner, ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il ne soit ni querellaire, ni cupide, qu'il sache bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission en toute dignité. Quelqu'un, en effet, qui ne saurait gouverner sa propre maison, comment prendrait-il soin d'une église de Dieu ? Donc vous vous êtes attaqué à un monument, je trouve. Comment ? Alors, pouvez-nous vous faire part de vos interrogations, de vos conclusions ? Oui, donc à vrai dire, il y a aussi un autre texte en exergue qui met en évidence l'appel des apôtres. Et on est parti un peu sur l'idée avec Elisabeth que dans la tradition catholique, c'est plutôt la succession des apôtres qui met un peu en scène le ministère, qui le fonde, qui l'explique. Dans la tradition protestante, on a plutôt recours au texte que vous venez de lire et à d'autres qui mettent l'Église un peu en la structure de l'Église. Au fond, c'est la structure de la maison traditionnelle dans l'Antiquité, la maison de l'oikos ou la domus gréco-romaine, avec son ordre. Du coup, dans ces maisons traditionnelles antiques, effectivement, il y avait une figure centrale, c'était le père, le pater familias, le patriarche. Et c'est lui qui avait autorité sur tous les membres de la famille, que ce soit bien sûr l'épouse, que ce soit les enfants, que ce soit les esclaves. Donc toute la maison dépendait de ce patriarche qui donnait en quelque sorte un peu l'idée de faire le lien entre cette maisonnée et les églises, qui peut-être au départ étaient des églises de maison d'ailleurs, eh bien permettaient de structurer les églises, mais en même temps, au passage, eh bien, l'image du père devenait dominante. Et en même temps, il y avait aussi l'idée que ce père devait être aimant. Donc il y a un peu cette ambiguïté entre deux, d'un côté un père autoritaire et en même temps les valeurs de l'évangile impliquent qu'il soit aimant, ce qu'on appelait parfois, que les spécialistes appellent le patriarcalisme de l'amour. Il reste que tout aimant qu'il soit, c'est lui qui a le libre arbitre et qui prend les décisions. Donc c'était, je ne sais pas, mais c'était très intéressant de rentrer dans cette problématique et puis ensuite de la retourner au fond. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des figures faillibles. Que ce soit Paul, qui était quand même le persécuteur de l'Église, que ce soit Pierre, qui a renié Jésus, il y a aussi des figures faillibles. Et donc il y a ces deux aspects, d'une autorité, à la fois le poids de l'autorité, et en même temps la faillibilité, qui rejoint peut-être tout simplement la faillibilité humaine de tout homme en responsabilité. Alors, j'ai appris quelque chose de très intéressant dans ce chapitre aussi, c'est sous la plume d'Elisabeth Parmentier. Elle semble dire que à l'époque de Paul, Paul encourageait, donc de l'apôtre Paul encourageait la responsabilité des femmes. Qu'on pense à Phoebé ou à Prisca ou à Junia, enfin des femmes qui quelque part avaient presque des responsabilités d'hommes dans l'Église, et qu'après la mort de Paul, finalement cet encouragement s'est éteint et que la société patriarcale a repris le dessus et que finalement les idées de Paul ne sont pas allées jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors pour expliquer un peu ce phénomène, on a souvent recours à la sociologie pour dire qu'à l'origine, j'essaie de le dire simplement, eh bien, les premiers mouvements, et ça se voit encore aujourd'hui, quand il y a un nouveau mouvement religieux qui naît, il y a souvent des rapports égalitaires, il y a une grande exigence, et l'Église, telle que Paul l'a conçue, quand il dit « il n'y a plus ni homme ni femme », etc., il le perçoit dans l'attente d'une fin prochaine des temps. Donc on est dans un contexte très ouvert qui remet en question toutes les structures habituelles. Puis le temps passant, le nombre augmentant, il faut commencer à s'organiser. Et quand on commence à s'organiser, eh bien, on prend les modèles sociaux en cours. S'ajoute à cela la pression avec la société dominante et qui entoure la communauté, qui était une société extrêmement patriarcale,
on peut comprendre que ces premières communautés commençaient à s'adapter à cette société-là. Au passage, elle a peut-être perdu ce privilège d'une fraternité égalitaire. Donc il y a, en même temps, on peut aussi le comprendre hein, dans le contexte du développement de la première Église, de l'Église primitive, qu'il y ait eu ce besoin de s'organiser et puis de s'intégrer le mieux possible à une société sans, en essayant de garder l'essentiel. Donc c'est un chemin assez étroit et difficile. Merci. Alors Joanne, vous avez travaillé donc sur la figure de Joseph, donc avec deux autres chercheurs. Joseph, le père de Jésus. Joseph qui semble incarner l'image d'une virilité domestiquée et d'une paternité positive. Alors moi, je remarque que, par exemple, quand on regarde les tableaux au travers de l'histoire de l'art, Joseph, il est toujours représenté effacé, triste, mélancolique. Qu'est-ce que vous avez, vous, découvert sur, de nouveau sur cette figure de Joseph qui pourrait aussi inspirer nos modèles aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, la genèse, la raison pour laquelle j'ai proposé à mes deux autres collaborateurs qu'on travaille sur Joseph, c'est parce que j'ai découvert que dans les milieux évangéliques et catholiques, certains milieux évangéliques et catholiques, Joseph était utilisé comme une figure pour exalter finalement le nouvel homme. Et bon, ça m'a beaucoup interpellée, puisque dans les milieux luthéro-réformés, dont je suis issue, on ne se sert pas du tout de la figure de Joseph pour exhorter les hommes à être des bons pères, à être des bons éducateurs, à être des bons maris. Donc je me suis déjà posé la question, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose ? Si oui, à côté de quoi est-ce qu'on passe ? Et ensuite, je me suis intéressée avec les autres collaborateurs, sur les autres, aux auteurs, sur que nous dit en vérité la Bible. Et c'est vrai que c'est d'un point de vue synoptique, c'est intéressant de voir que chaque évangile nous dit autre chose de Joseph. C'est comme une petite mosaïque. Et c'est vrai finalement qu'on peut se saisir de l'une ou l'autre chose. J'aimerais par ailleurs surenchérir un petit peu sur ce que tu viens de dire, Patricia, puisque là j'étais au Rwanda pour un petit séjour dans le cadre de mes fonctions. Et j'ai vu, et j'ai pas eu le temps de la prendre en photo, mais j'ai vu une très belle statue où on voit ce Jésus, ce Joseph charpentier, où on le voit vraiment avec ses outils, et donc on comprend qu'il est valorisé par son travail. Donc ça, c'est quelque chose finalement dont on pourrait se saisir en contexte protestant, qui valorise le travail et le fait d'avoir des dons dans la société, et on ne s'en saisit pas tellement non plus. Alors voilà, alors, on s'est un petit peu demandé pourquoi est-ce qu'on s'en saisit pas plus. Mais chez les protestants, on ne se saisit pas beaucoup de Marie non plus, oui, alors qu'elle a plein de choses à nous apprendre. Et donc, exactement. Voilà. On est un peu crispé sur les questions. Mais c'est ça, Patricia, en fait, c'est directement lié. Le fait qu'on s'intéresse peu à Marie fait qu'on s'intéresse peu à Joseph, alors que la Bible nous parle des deux. Alors c'est vrai que Joseph, finalement, ne parle pas. Alors c'est un petit peu en ça qu'on le trouve un peu taciturne ou muet. Mais par contre, il développe d'autres caractéristiques. Là où Marie est assez bavarde, c'est vrai, elle parle beaucoup plus. Et ce qu'il développe, ce qu'on voit dans les évangiles, c'est que déjà, il y a des similitudes assez intéressantes avec Joseph, le fils de Jacob, notamment au niveau des songes. Alors c'est une autre façon qu'a Joseph de s'adresser à nous, que la Bible a de nous présenter Joseph, c'est ses songes. Et donc c'est lui-même, il a des songes qui lui donnent des indications sur comment agir en Luc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que moi, comme tout le monde, j'ai des rêves, je me réveille le matin et des fois je ne sais pas trop quoi en faire, et je trouve ça touchant de voir qu'on peut entendre quelque chose de Dieu dans nos songes aussi. Et puis c'est intéressant en termes de masculinité positive, parce que Joseph est entouré de plein de gens qui bavardent, qui parlent, qui font du bruit, et lui, visiblement, il est plutôt à l'écoute. Et c'est vrai que dans un monde encore très marqué par le patriarcat, les hommes parlent beaucoup plus que les femmes. Le temps de parole dans les réunions, moi, tu sais bien que je les chronomètre, des fois Patricia m'a déjà vu faire. Les hommes parlent plus, et là on a un Joseph surtout qui écoute. Et qui a une relation à Dieu par ses songes. Alors ça m'a plu aussi. Là, à ce niveau-là, je me suis dit, tiens, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et puis après, il y a le fait de à quel moment est-ce qu'on devient père ? Et Joseph, dans sa relation donc à Jésus, eh bien, c'est un peu compliqué. À quel moment est-ce qu'il devient le père de Jésus ? Vous verrez en lisant l'article. Il y a une espèce de gradation. Et il y a cet épisode qu'on connaît tous et toutes, quand
Jésus s'enfuit, va au temple pour parler sûrement avec des rabbins et puis un peu les confronter. Peut-être, voilà, un ado de 12 ans, j'en connais d'autres comme ça. Et là, c'est Marie qui dit « Ton père et moi, nous nous sommes inquiétés ». Donc c'est un peu quand Jésus est en opposition que Joseph vraiment s'affirme comme père et c'est Marie qui le nomme. Alors voilà, il y a tous ces petits éléments-là qui m'ont rendu cette figure de Joseph très attachante. Et alors il y a quelque chose d'assez étonnant dans ce chapitre, c'est que c'est une Bible des femmes, mais une Bible des hommes, mais à un moment vous évoquez le proto-évangile de Jacques. Alors déjà moi je ne savais pas qu'il y avait un proto-évangile de Jacques qui raconte un épisode inédit au sujet de Joseph. Alors pourquoi avoir fait une petite excursion comme ça vers des textes qui ne sont pas du canon? Oui, alors on s'est permis ça et on en a demandé l'autorisation à Elisabeth et Denis. Et leur réponse, je trouve, a été très chouette, très nuancée. C'est compliqué la nuance, hein, l'art de la nuance, c'est complexe. Ils nous ont dit, c'est bien d'avoir ce petit éclairage, mais il ne faut pas que ça devienne un élément pivot du texte. Et pourquoi ce petit éclairage? C'est parce que y a toujours cette question de savoir quel âge avait Joseph. Et en fait, on se le représente âgé aussi en raison du proto-évangile de Jacques. Voilà. Donc on a essayé de comprendre d'où venait cette tradition de le figurer assez âgé, alors qu'il pouvait tout à fait être jeune, en fait. Il y a rien dans les évangiles véritablement qui nous permettent d'affirmer qu'il était âgé. Donc on est repassé par là pour essayer de comprendre d'où viennent certaines traditions. Et ça, c'est tellement fréquent. Il y a tellement de messages qui sont véhiculés à propos de la Bible qui ne viennent pas du canon parce qu'il y a des traditions hors canon qui continue à circuler, à irriguer l'imagerie en fait populaire. Et en même temps, ça fait partie aussi maintenant de notre façon d'aborder la Bible et c'est important de le nommer, de le reconnaître. Et Denis, vous qui êtes un spécialiste du Nouveau Testament, cette figure de Joseph, comment est-ce que vous la percevez? J'ai beaucoup aimé hein, votre article et bien sûr, dans la figure qu'on peut se faire d'un homme hein, masculin et d'un père, la figure de Joseph est extrêmement trouble ou ambiguë dans le sens où il est père sans être père. Hein, donc, et en même temps, la paternité, ce n'est pas seulement la paternité biologique, hein, c'est aussi une adoption. Hein, donc la figure de Joseph montre à la fois peut-être une certaine fragilité du masculin et puis une manière différente, c'est ce que vous avez très bien montré, une manière différente d'être un homme, hein, homme avec petit h, hein, donc d'être un garçon si vous voulez, montre une manière différente et puis remet aussi en question la conception qu'on peut avoir de la famille au fond, hein, c'est un peu votre conclusion si je me souviens bien. Où on est aussi dans un monde où il y a des familles recomposées, etc. Et Joseph, lui, avec son rôle un peu ambigu, c'est une figure très, très intéressante et qui peut donner à penser à notre temps. Merci. Du coup, ça me permet de vous poser la question suivante, qui est de dire qu'est-ce qui vous a, dans le livre, qu'est-ce qui vous a touché des autres auteurs? Enfin, si vous deviez retenir une idée qui vous a interpellé ou fait du bien sur des choses que vous n'avez pas écrites. Joanne. Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'article qui parle du Boys Club, un peu du club des 12. C'est vrai que, en tant que follower de Jésus, suiveuse de Jésus, j'ai toujours un peu de peine, hein, un petit peu de mal à me dire que ses collaborateurs les plus proches, c'était que des hommes. Pour moi, c'est un petit peu l'épine dans ma chair. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, c'est de nous expliquer pourquoi est-ce que c'était des hommes, de nous rappeler qu'il y avait des femmes qui suivaient et qu'elles sont mentionnées et que la tradition, jusqu'à maintenant, ne les valorise vraiment pas du tout. En fait, on devrait, même quand on fait la catéchèse aux enfants, on devrait les citer, ces femmes. Pour dire oui, effectivement, il y avait 12 disciples ou 12 apôtres, mais il y avait des femmes aussi. Ça, ce serait important d'être plus, je pense, plus rigoureuse et rigoureux là-dessus. Et ce que j'ai aimé, c'est un petit peu les apports anthropologiques, cette notion du dedans et du dehors qui est développée, où on comprend à un moment donné qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'en fait, les disciples qui étaient beaucoup dans des activités du dehors, alors que les femmes qui suivaient dans des activités du dedans, prendre soin, faire à manger,
eh bien, après l'événement de la Pâque, progressivement, les disciples commencent à être dans des activités du dedans aussi, puisqu'ils commencent aussi à préparer à manger. Ça m'a beaucoup plu. C'est très subtil, hein, c'est un petit renversement. Et en même temps, ça m'a touchée, puisque c'est un renversement qui peut encore nous inspirer maintenant. Et je reviens à ce que tu as dit, tu vois, Denis. Et tu as raison, bien sûr, quand tu dis, voilà, c'est un peu lié au contexte. Ben alors, très bien, c'est lié au contexte. Avant, c'était comme ça, il y avait cette culture patriarcale. Mais comment se fait-il qu'on continue à la reproduire maintenant, puisqu'on a changé de contexte ? Ici, en plus, en France ou en Europe, il n'y a plus de persécution religieuse. Pourquoi est-ce qu'on maintient le patriarcat alors ? Il n'y a plus d'excuses. Et donc, ce que j'ai aimé avec cet article sur le Club des 12, c'est cette affirmation égalitaire très, très massive, de dire, mais oui, il y a eu un changement après la Pâque et on peut s'en emparer encore maintenant. Et vous-même, Denis ? Oui, alors, je ne suis pas non plus fataliste. Hein, et je vois bien l'intérêt de cet ouvrage, justement, d'interroger aussi les hommes. Hein, parce que le changement, il ne peut pas venir que d'une moitié de l'humanité. L'autre moitié doit aussi s'en emparer. Et elle est, même en tant qu'homme, hein, je peux le dire de manière très simple, je me sens interloqué. J'ai été éduqué, par exemple, on m'a appris, ma mère m'a toujours appris à tenir la porte aux dames. Aujourd'hui, j'hésite, ça peut être très mal pris, ça peut être pris pour un geste de condescendance. Donc il y a dans la vie, comme ça, des éléments, et c'est de plus en plus fréquent, où je suis obligé de réfléchir et de revoir les choses. Et en ce sens aussi, je trouve que ce travail était intéressant, parce qu'il essaye de voir un peu l'envers de ce qu'on pense être évident qu'un homme doit faire. Et bien sûr, ça se trouve aussi dans la Bible. Mais quand on gratte ces textes, quand on voit l'ensemble des... vous aviez un peu la question de ce que je préférais. Au fond, c'est l'ensemble qui m'a impressionné le plus. C'est-à-dire qu'on a des gens de disciplines diverses, plutôt des gens aussi qui sont plus dans les ministères, d'autres qui sont plus à l'université. Mais chacun a dévoilé une part de masculinité originale, différente des idées reçues. Et je pense que, j'ai le sentiment que c'est la preuve qu'il faut vraiment continuer de creuser dans cette direction-là. Et je dirais que c'est ça qui m'a le plus impressionné et qui me rend assez fier de cet ouvrage, indépendamment des articles, beaucoup sont très intéressants, enfin ils sont tous très intéressants d'ailleurs, mais c'est cet ensemble-là qui montre qu'il y a quelque chose qui résiste, qu'il y a quelque chose d'intéressant, qu'il y a quelque chose à travailler encore. Merci. Alors pour en rajouter une couche sur le fait que ça met du temps et qu'on est parfois impatient, je voudrais juste lire une citation d'Elisabeth Badinter, qui, une grande féministe devant l'Éternel, qui constatait déjà en 92 qu'il faut être ignorant des problèmes identitaires pour croire qu'une même génération d'hommes, élevée dans l'ancien modèle, réussirait d'un coup le triple saut périlleux. La remise en question d'une virilité ancestrale, l'acceptation d'une féminité redoutée et l'invention d'une autre masculinité compatible avec elle. Donc il y a un peu de chemin quand même. Je dirais il y a du chemin qui a déjà été fait, mais voilà. Et la conclusion de cet ouvrage, qui a donc été rédigé aussi par Denis Fricker et Elisabeth Parmentier, c'est de dire que le chemin est étroit et le chemin est long pour être des hommes, juste des hommes, mais des hommes justes. Donc voilà, c'est un grand défi. Je vous remercie à tous les deux pour cet échange et je vais vous proposer... Dans le public, si vous avez des questions, vous pouvez à présent les poser à Denis Fricker ou à Joanne Charas-Sancho. Sur la question de la masculinité dans la Bible. Avant la première question, j'en profite pour faire une petite annonce. C'est que je poursuis mon émission sur une approche féministe des lectures de la Bible. Donc, pendant 2 ans et demi, cette émission s'appelait Une Bible et des femmes. Et maintenant, c'est Une Bible et des hommes. Donc, j'y reçois bientôt Denis Fricker. Voilà, donc, sur RCF. Oui, c'est sur RCF Alsace. Donc, voilà, vous pouvez trouver ça très facilement sur le net
ou bien il y a différents liens. Donc voilà, c'est très facile à trouver. L'émission s'appelle Une Bible et des hommes. Et j'invite tout d'abord les contributeurs de l'ouvrage et puis ensuite plus largement les hommes qui sont intéressés sur ces nouvelles formes de masculinité, qui veulent nous partager un peu leurs réflexions, leurs émotions, là où ils en sont. Et puis quelques femmes qui réfléchissent à ça aussi. Voilà, comme toujours, j'essaye de panacher un peu au niveau des origines, des orientations, des féminismes aussi. Voilà. Merci pour l'annonce. La première question est toujours la plus difficile à poser, mais probablement la deuxième ira bien. Est-ce que quelqu'un souhaite ? Oui. D'accord. Pour s'il n'y a pas de question, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter ? Si, il y a une question ? Non, c'est une erreur. C'est une. Bien, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est une petite interpellation. Il y a beaucoup d'hommes qui nous ont dit une Bible des femmes, c'est que pour les femmes, qu'avec des femmes. Et bien, moi, j'aimerais bien maintenant qu'on soit un peu plus interpellé sur une Bible des hommes, justement. Qu'on nous pose des questions, qu'on s'adresse à nous, qu'on nous invite. Parce que très véritablement, il y a eu des centaines d'hommes qui ont demandé cet ouvrage. Il est là, il est prêt. Et messieurs, nous vous attendons. Voilà, bah écoutez, la librairie Oberlin, qui est en partenariat avec la médiathèque protestante du Stift, vous propose d'acquérir l'ouvrage. Deux des auteurs sont là pour le dédicacer si vous le souhaitez. Je remercie toute l'équipe du Temple Neuf, les équipes techniques, Noémie à la communication, Jérémy et Polo à la technique, pour leur accueil qui est toujours chaleureux et impeccable. Et voilà, alors la prochaine conférence organisée par la médiathèque protestante et qui se tiendra ici aussi accueillera le professeur Daniel Marguerat. Professeur de Nouveau Testament de Suisse, mais je ne sais plus si c'est Lausanne ou Genève, Lausanne, qui viendra présenter son ouvrage « Vie et destin de Jésus de Nazareth ». Que savons-nous aujourd'hui avec les dernières recherches sur l'homme Jésus des évangiles. Ça se passera donc le 6 octobre à 18h ici. Il donnera une conférence et bien sûr le public pourra réagir aussi et ça sera retransmis en direct. Et à la médiathèque même, un Bec et Saint-Thomas, demain soir à 20h, une soirée histoire de l'art avec Sylvie Albecker qui démarre un cycle sur la violence, la guerre, la mort et la résurrection. Elle a trouvé qu'après cette année et demie d'interruption du cycle avec tout ce que nous avons traversé avec le Covid, de reparler de la mort avec la perspective aussi chrétienne de la résurrection, à travers des images et des tableaux et des œuvres de toute l'histoire de l'art, ça ferait une manière de mettre à distance, mais de mettre aussi des mots sur ce que nous avons traversé. Voilà. Donc vous êtes invités aussi demain à 20h à la médiathèque protestante. Les œuvres d'art sont reproduites sur un grand écran qui n'est pas aussi grand que celui du Temple Neuf, mais qui est quand même de bonne facture. Voilà, bonne soirée à tous. Merci à ceux qui sont venus, à ceux qui nous regardent de loin. Et prenez soin de vous. Bonne soirée à chacune et à chacun. Au revoir. Merci Patricia. Merci.